Look at all this trash. Doesn't anyone give a hoot anymore? Don't worry. These pants will save the day. We can store all this garbage in our secret compartment. Now we can repurpose them all for various crafts. Or just throw them away in the right trash receptacle. Enjoy your trip. Wow, he really makes an impression. In fact, it's so nice, let's save it for posterity. Let it dry. Well, I think it's got character. Probably should get the sand out of its nose. Add some clothes, and we've got the perfect buddy to watch our stuff. Tu sais, c'est la saison des maillots de bain. Un peu de toilettage ne te ferait pas de mal. Un peu de scotch, c'est tout ce qu'il nous faut. Comme prochaine étape, ajoutons un peu d'air à ce scotch. Il serait dommage de gaspiller tous ces cheveux bleus. Dessinons un visage à cette boule et ce sera ton nouveau meilleur ami. Save me the funnies. Oh, look, a dog. Oh, don't you just wish we could have a real dog? Hey, what was that? Let's check it out. I hope it's what I think it is. It's a puppy. Wishes do come true. Hold on, someone's got some dirty paws. Don't worry, we'll clean you up. I'll just take some toothbrush bristles and add to a cup. Don't forget some soap and water, too. Now for the most important part. Some paws to clean. These paws are as good as new. But now let's clean up the rest of you. We can use this net and ketchup? Wait, that's not ketchup, but it can help. Take this shoelace and twist the net around it. It's a brand new loofah. Add some dog-safe shampoo and lather it up. Now it's time to pamper that pup of yours. Besides, it sure beats taking a bath. You know, cats aren't the only ones who shed. But maybe we can put all this extra hair to use. Like a cozy new pair of earmuffs. Not a fan? Try this. Take a beanie, make some holes, and soon enough, it's a brand new top. Puppy-sized. Okay, we need to accessorize. Let's see. Ooh, a chain. Hey, careful. And look, there's a pocket. And we just washed those paws. Actually, that's a pretty nice paw print. Add some decorations and some nail polish. And now we've got our own 3D paw print. Put your dog's name on one side. And it's a brand new dog tag. So this is the thanks we get? Yeah. Well, it's time to get scooping. In a pinch, a claw clip works great. Yeah, you should probably toss that. A wash basin? This has potential. Flip it over and cut out a little doorway. Add something soft like a poppet toy. Got any extra buttons? Add them to the side. And then add another basin on top.
slice up some pop tubes and add them around the rim. Now look who's got their very own room. Ooh, a window. It's a puppy penthouse suite. Don't forget, dogs also need to stay hydrated. Tape the bottle upside down on a wall, right above a bowl. Now release the cap. Let the water flow. Now your dog's got their very own drink station. Oh, that sock sure seen better days. Let's give it a second chance. Add to a bottle. Add a button, some googly eyes, and a tail. Now that is one fancy rat. And your pup's got a brand new toy. Guess we don't need the paper dog anymore. But with all this stuff, your dog's favorite thing to play with is you. Calme-toi. Lève-toi. Tu es dans la partie peu profonde. Hey, tu as trouvé une pierre. J'aime bien ce système de troc. Oh! Espérons qu'elle n'ait pas l'intention de récupérer son jouet Squishy. Tu sais que c'est une fête quand ils sortent les ballons. Mieux encore, ils forment ta nouvelle bouée. Qu'est-ce que tu attends? L'eau est bonne? Oui, les rochers ne sont pas réputés pour être très confortables. Il est temps de faire du bricolage. Il suffit de prendre un collant et de le remplir de sable. Une fois qu'il est bien rempli, on lui ajoute des sous-vêtements. Maintenant, détends-toi et repose ta tête. Pour avoir des chats instantanément, il suffit d'y ajouter de l'eau. Et après, on dit que les chats n'aiment pas l'eau. Il n'y a plus qu'à les cacher. Ni vu, ni connu. Arrivé à bon port. Oh, gouzi gouzi. Je sens que ça va être une super journée. J'ai parlé un peu trop vite. Ce lit mériterait une mise à neuf, en tout cas. On enlève les lattes. On ajoute un panneau de bois sur le côté. Oh, personne n'a la tête qui tourne. Une couche de peinture fraîche et tout est arrangé. Il y a trois murs. Voyons ce qu'on peut faire à l'extérieur. Un pochoir à motifs. Commençons à le recouvrir de peinture. Qui a dit qu'on avait besoin d'un pinceau? En plus, c'est beaucoup plus rapide. On enlève le pochoir. Après réflexion, un pinceau peut servir à ajouter les petits détails. Regarde, une tête de chat. Au cas où tu n'aurais pas deviné à qui ça s'adressait. Ce trou a l'air rêche. Mais pas comme les chats l'aiment. Cette chatière l'aidera à rentrer facilement à la maison. Et, grâce à ses brosses à dents, les chats auront tous les jouets à gripper qu'ils veulent. On va faire une visite rapide, d'accord? Ce tapis en gazon synthétique va plaire au côté chat sauvage de ton compagnon à quatre pattes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Une vieille boîte à pizza? En les recouvrant de scotch, on peut fabriquer un petit escalier qui mène directement aux toilettes privées de vos chats. J'ai nommé leur nouvelle litière améliorée. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait plaire aussi à nos matous? Prends une cordelette et enroule-la autour d'un pilier. Attache-la pour que ça tienne et que ça ait de l'allure. Et ton chat aura un nouvel objet contre lequel se faire les griffes. Quoi d'autre? Peut-être qu'ils aimeront ce pigeon en plastique. Oh, encore mieux! Prends un tiroir de bureau, mets-y des oreillers,
des coussins, quelques jouets et ton chat a un tout nouveau panier où dormir. Voilà ce qu'on peut accrocher au mur. Tes chats pourront maintenant avoir leur propre télé à eux tout seuls. Oh, il commence à faire chaud ici. Du coup, peut-être que les chats auront soif. Alors, on peut leur offrir leur propre fontaine. Après tout, on a facilement chaud quand on ne peut pas enlever son manteau de fourrure. Il est toujours judicieux de tester les choses soi-même avant ses chats. Maintenant qu'ils ont de l'eau, ils voudront peut-être aussi quelque chose à grignoter. Et on fait un décor naturel avec de l'herbe à chat. Et il reste plein de place pour un bol rempli de croquettes. Mais laissons toujours de la pâtée au frigo au cas où. Tout est super bien aménagé. On peut y mettre encore quelques jouets. Bon, il ne tombera pas plus bas. De toute façon, je ne sais pas ce qu'il y a au fond. Oh, des bonbons! Oh, ce bol pourra recouvrir le trou. C'est l'endroit idéal où mettre quelques jouets pour chats. Et si les chats ont un petit creux en jouant, ce gadget est le jouet parfait. Il te suffit d'y mettre de la nourriture. Comme ça, ils auront droit à leur portion lorsqu'ils le feront tourner sur lui-même. Ça les occupera toujours. Hé, je peux t'emprunter cet oreiller? Maintenant, prends une paire de collants et découpe-les. Il faut les placer en forme de X avec quelque chose au milieu. Ramène chacune des deux extrémités et attache-les. C'est à la fois un lit et une balançoire. Essayons-la maintenant. Tu as vu? Ces sonnettes peuvent leur permettre de faire passer un message. Ils peuvent nous prévenir lorsqu'ils ont soif, faim ou même quand ils ont envie de jouer. C'est un peu trop petit pour leur servir de cage d'escalier. Mais on peut quand même utiliser le socle. Fixe-le au mur et tu auras de vrais escaliers en fin de compte. Salut, tu ne te sers pas de cet énorme seau aussi? Merci! Maintenant qu'on l'a nettoyé, on va y découper une ouverture. Que nous faut-il d'autre? Encore des jouets, pourquoi pas? Les chats n'ont jamais assez de joujoux. Et on peut les utiliser pour fabriquer autre chose. On les colle avec de la glue chaude au tapis de tout à l'heure. Tu te souviens, le terrier de lapin? Pose-les dans le fond de notre seau pour en faire un coussin tout doux. Maintenant, on dégaine les outils électriques. On va y percer quelques trous. Une fois qu'on en a fait quelques-uns, on y fait passer un fil. On dirait un motif à damier. Les chats-chats vont être tellement heureux. D'ailleurs, où sont-ils? Tu ne dois pas te cacher bien loin, toi. Oh, ça me donne une idée. On y met de la colle chaude en appuyant bien dessus et c'est aussi joli qu'un cadre photo. Idéal pour les trousseaux de clés ou les médaillons personnalisés. Ce jouet pour chat est interactif. On va l'ajouter à notre collection. Les chats ont bon goût, y a pas de doute. Ça a l'air sympa, ça. De la nourriture pour chat? Peut-être qu'on devrait laisser quelques trucs comme atout. Oh, c'est un jouet, tout simplement. Et on a l'endroit idéal pour le mettre. Il faut reconnaître que c'est un peu petit. Il faut qu'on voit plus grand. Prenons un grand vase en verre rempli d'eau. Déverse-y des pierres et des billes. Ajoute-y une plante. Et la touche finale, ces mignons petits poissons. Anne, ma sœur Anne, tu ne vois rien venir. Enfin, elle s'appelle pas Anne et c'est pas ma sœur. Une bouteille pleine. On va la remplir et la découper. Tenez le cul de la bouteille et collez-y une sorte de ficelle au milieu.
Maintenant, on utilise la ficelle pour réunir les morceaux. Ajoute-y un petit pompon et remplis le tout de croquettes. Ensuite, accroche-le quelque part. Encore des friandises? Il y en a qui vont être contents, je le sens bien. Cool! Un laser à attraper pour nos chats. On va le tester. Soit c'est le laser qui fait ça, soit un soin de la peau lui ferait du bien. C'est dur à attraper? C'est pile ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce que tu as sur la tête? On dirait un hand spinner. On va le fixer au mur. Ajouter des autocollants au mur. Ça embellit toujours une pièce, pas vrai? Ces photos permettront de donner à leur maison un côté plus chaleureux. Encore quelques jouets. On peut dire avec certitude que les chats savent profiter de la vie. On pourrait peut-être rendre cette nappe plus utile. Comment? En les transformant en rideaux pour notre toute nouvelle tringle féline. Ouais, c'est l'endroit où tous les chats branchés se retrouvent pour jouer. C'est un super endroit pour faire une sieste. Parfait quand on veut faire la grasse mat toute la journée. Mais regardez-moi toutes les choses marrantes à faire ici. On peut manger de l'herbe. Marcher sur un sol d'animaux en peluche ou tout simplement se détendre. Il y en a d'autres qui ont l'air de vouloir jouer aussi. Ou peut-être qu'il ne fait que s'étirer. Vous allez adorer tous les aménagements. Et il y a encore bien davantage de coins à explorer. Qui a besoin d'un escalier lorsqu'on a un pilier géant pour se faire les griffes et grimper dessus? On décompresse, on regarde un peu la télé, on boit un peu. Oh non, il a trouvé les chats. Enfin, quel chat? Oh, c'est le coup de foudre. Looks like the tide's coming in. Say goodbye to those flip-flops. They belong to the sea now. Don't worry, we can make new ones. This balloon even gets your right size. Not only is it a custom fit, we can give it a custom design too. Now show off your brand new slippers. Just be careful around the water. Ah, when nature calls in the great outdoors. Guess we'll have to dig ourselves a bathroom. We'll need to keep it sturdy, and we don't want to leave it there. I wonder what he's going to use for TP. Let's keep that lid on tight, shall we? Ew! Let's start by wiping all this stuff off you. Come on, we've got sunflower seeds with your name on it. First, let's make something special for our new friend. Start with adding pieces of a Pop-It toy to this fidget spinner. Now our new little buddy has his own little fun house to play in. Be careful, a trick can be just around the corner. Always great when a watermelon donut breaks your fall. While you're here, why not try this new ride, a water slide. It leads right into your own personal little pool. Of course, there's just no place like home. Though it's kind of hard to keep track of him now. Where is he? Waiter, there's a hamster in our salad. Naughty, naughty. Jail time? Come on, can't you just let him off with some community service? No bars can hold him. Or maybe they can.
Maybe there's a hidden door, like the funhouse. Let's hope that's just a secret tunnel. Oh no, the prisoners escaped? What else can we make? First, bring out the cardstock and glue. Roll it up into a cylinder. Add a puff on top. Let's fill up these walls with beads for a splash of color. Now our hamster has his own hills to run over. Well, they're hills from his perspective. Now he's on his way to freedom. Ooh, looks like someone's back in the labyrinth. Oh no! The room's filled with trap doors! Good. It looks like those eyes will keep him from falling. Uh-oh. This looks like a tight squeeze. Not what they usually mean by knock down the door. Oh, this last one's a little tricky. There we go. We're out of here. Always time for a selfie break. But this felt pen is giving us an idea. It's a little mermaid. Don't skimp on the scales. Though I guess she doesn't need a face. I see, it's like one of those carnival attractions. Just hope he doesn't squeeze out beforehand. I wonder what she's got planned for that straw. Let's stand them up on some cardboard. Now let's add some walls. Don't stop at just four. It's another maze. And don't forget the finishing touch. A ball pit. Well, the first level seems simple enough. Nothing like a ball pit to break your fall. Good, he's making it through the straws. Anything in those boxes? Come on, we're almost home free. He made it! Let's sit down for the final course. Quick, before they bring out the check. Does he want to share his stuffing? He has a surprise inside, a pop tube. We can use it to make a new maze. Can't forget the ball pit. Let's roll up this pipe cleaner too. Kinda looks like a pigtail. So far, so good. No pipe cleaner's a match for him. Now this one's kinda tricky. At least there's a backyard. Sort of. Victory! The ball pit and a way out too, I guess. Bananas. Wait, something's off about this one. It's a toy. Open it up. Take out that stuffing. Now hang it up. It's like a hammock. This room sure is fancy. There's even a flat screen. Welcome to the banana cabana. Oh, he needs a lift. Looks like Huggy Wuggy wants to lend a hand or two. Great idea. Make the hammock come to you. Wanna take a nap? Nah, I'd rather go exploring too. Hey, what's that mark on the wall? We should really fix this up. It's time to whip out our 3D pen. Draw a circle for a base. Keep adding on.
Now we'll need some sticks. Well, sticking out. It's like a tunnel. Let's fill it up with some stuffing. Add some eyes. It's starting to look familiar, isn't it? Climb up, and it's a brand new place to rest. What else is there to explore around here? A new hole. Wherever this leads to, this tunnel looks fun enough already. Wonder what she's up to. Gluing frames together? Oh, look, it's a little house. It needs a paint job. This shouldn't take too long. Ouch, should have known. Those blocks, at it again. Maybe we can make something out of them. It's what they're made for. These blocks add a nice touch. What else can we add? These sticks are great for building too. Just add hot glue. Now our house has a brand new backyard playground. Can't forget the ball pit. Time for some real fun. It's what playgrounds are for. Look, it's a swing just for him. Who said show jumping was just for horses? It's a slide, just without water this time. Time to explore the house. Can you squeeze through? These blocks are the perfect decor. Real postmodern. Wow, these disco tunnels must have been on sale. I think we're getting lost. Oh wait, what's that in the distance? It's a trophy! Congratulations! After all these rooms and challenges, he certainly earned it. Though now, I guess we'll have to make him a trophy room. Unless this is the trophy room. Just accept it. It's the hamster's world. We're just living in it. Squeak, 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 squeak stuff. Catch you next time. Et cette queue remonte jusque-là, moi qui croyais que ce n'était qu'une simple nageoire. Toutes ces années à nager en serrant les jambes ont finalement porté leurs fruits de mer. Il ne nous manque plus qu'un crabe qui parle et on est bon. Oh, hi, Anne. Find any buried treasure? Let's get sifting. Ah, it's A. Now that's what I call treasure. But let's clean up all that sand. Maybe pluck some of those grubs. Now all he needs is a good scrubbing. Much better! Now you're ready for some beach time fun. What could be better than sand ducks? When they've got even tinier ducks inside. Look, he's the right size for this slide. Quick, go again before it gets crowded. Told ya, something this fun doesn't stay empty for long. Here, some letters will help us tell these ducks apart. Poor doll, did your friends forget to dig you out? And did they take your legs too? Don't worry, one lower half coming up. Just need some glass beads and glue. We're gonna need some hair for this. Look, he's a centaur. After all,
Four legs are better than none. Ooh, chocolate spread. What could be better? Oh, cookies. And candy coating. And sprinkles. And maybe another cookie. Oh, I get it. It's a baby fish. Isn't he sweet? Watch your step. Anyone want ketchup? Oh, look at your foot. It's a mess. Good thing we got our handy dandy foot bath. Ooh, soda and mints. Things are about to get bubbly. And don't forget, you have another foot. Almost done. Now that's one clean foot. Hey, watch your step. Ooh, what's that? A chip box? We can use it to make a new sandcastle. Just sans sand. But it can have candy. It helps that they're already brick-shaped. What a pretty tower. And the best part, this top even comes with chips. Have you ever seen a beach tower? Oh, look, it's a tiny little octopus. Let's blow it up into a big, bad kraken. Wait until you see it in the water. Oh, I guess he's swimming away. It's okay, we've got a backup balloon. Why don't we fill it up with treasures? Wow, look at all that shiny stuff. Once it's all in, add some water. That should be enough. Tie it shut. And give your new stress ball a good squeeze. Hey, what's that? Ooh. It's a water marker. What you waiting for? Let's try it out. Wow, look at all those different colors. For a real show, put it in some water. Don't worry, the color's still good. Whoa. Wow. Dunk your hand in, the water's fine. Oh, quel adorable petit chiot. Et il se gonfle tellement vite, pas vrai? Quoi qu'il en soit, un peu de fourrure ne lui ferait pas de mal. Maintenant, c'est un vrai chien. Merci, Fée Bleue. Et elle a une surprise. D'autres chiots sont en route. Heureusement qu'elle a fait une école vétérinaire. Car c'est l'heure de l'échographie. Oh, regarde, elle attend des triplés. Ça veut dire que tu vas manger pour quatre maintenant. Eh bien, c'est la preuve que j'ai raison. Heureusement qu'on a notre ramasse-crotte super pratique. Regarde-moi ce visage. Il est si heureux d'aider. Oh, moi très rassasié. Mais moi toujours pouvoir manger plus. Les propriétaires de chiots doivent eux aussi garder leur force. Et si elle peut aussi recevoir une friandise, elle ne se plaindra pas. Par contre, tu deviens un peu sale. Ne t'inquiète pas, ce hula hoop va t'aider. Bien sûr, il faut un peu d'eau, c'est une question de bon sens. On va te sécher.
juste à temps pour un petit changement de costume. Parfois, on a juste besoin d'une petite pause danse improvisée. Cela dit, on aurait pu se passer de tous ces poils. Ce durian devrait aider. Coupe-les en deux. Applique de la colle chaude. Et colle-le au mur. Maintenant, tu as un grattoir de fortune. Ça gardera tous ses poils au même endroit. Bien sûr, on veut que les chiots aient un peu de fourrure. Oh non, tu ne l'as même pas trop arrosé. C'est simple, cette petite a besoin d'un jardin secret rien qu'à elle. Ajoutons des friandises qu'elle appréciera. On devrait peut-être s'assurer qu'ils entrent dans le trou. Allez ma puce, il est temps de chercher ce trésor enfoui. Tu devrais peut-être essayer de la tailler. Oh oh, quelqu'un a marché sur de la peinture. Ces empreintes de pattes sont quand même très jolies. Découpe-les et fais-les rétrécir au four. C'est ça, avoir la taille d'un chiot. Ils serviront de fleurons à ton collier. Oh, les moutons sont de visite. Une seconde, non, quelqu'un fait ses dents. Ne t'inquiète pas, on te donnera quelque chose à mâcher. Rembourre des collants. Et je parle au pluriel. Agrafe-les ensuite ensemble. Voilà qui devrait nous donner un coup de main. Tu sais, il y a toujours du temps pour une manucure. Et maintenant, tu as le meilleur siège de la maison. Un hot dog, c'est une bien grosse saucisse, tu sais. Il n'y a pas que le pain qui peut servir de bol à soupe. Et puis elle préfère qu'on s'en ramène contient plus de viande. Il y en a pour tous les goûts. Ok, on devrait vraiment commencer à nettoyer ce coin plus souvent. Ou au moins mieux suivre nos balles de tennis. Avec un petit coup d'aiguille, on peut les maintenir sur une corde. En fait, ça marche avec beaucoup de choses. Accroche-les, c'est comme une fête dans un cube. Bien sûr, toutes les bonnes fêtes ont besoin de casse-croûte. Et maintenant, place à l'inauguration. On dirait une salle de jeu pour chiots. Le plat de résistance, la balle de tennis. Elle va bien dormir cette nuit. Petite fofolle, c'est pour boire, en quelque sorte. Heureusement qu'il existe une version mini. Appuie sur le bouton et remplis-le. Bois un coup et quand tu auras fini, ça te dirait un petit PQ ? Oh, une pastèque! Coupons-la! C'est une façon de procéder. Cela dit, on devra quand même la couper en plusieurs tranches. C'est le moment d'en extraire les bonnes choses. Mais d'abord, nous aurons besoin de l'écorce. En ajoutant des yeux et des oreilles, on a un chiot. Quant à la chair, sortons l'emporte-pièce. On va créer des formes amusantes. Avec tous ces animaux, on a notre propre zoo. Maintenant, un pour moi, un pour toi.
C'est l'heure du selfie. Bon, ça n'ira pas sur le frigo. Ne t'inquiète pas, tu auras juste besoin d'un carton facile à manipuler. Il est temps de mettre ses cours d'art plastique au travail. Tout ce vert ne peut signifier qu'une chose. C'est un dinosaure. Enfin, presque, il lui manque une tête. On a ce qu'il faut. Parfait. Tu peux incarner tout ce que tu veux. La seule limite, c'est ton imagination. Les chiots ont parfois besoin d'aide pour communiquer. Pour ça, il suffit de quelques boutons. Désormais, ton chien peut exprimer ses besoins. Que ce soit pour jouer ou pour boire ou même pour un peu de chouchoutage. Après tout, ce n'est pas facile d'être aussi mignon tout le temps. L'heure du massage a sonné. Ou, comme elle l'appelle, une gratouille sur le ventre. Je suppose que ta photo a besoin d'un nouveau cadre. Ou encore mieux, prenons un porte-document. Tu peux enfin ajouter un contour à vos photos. Comme si vous étiez dans votre propre dessin animé. C'est une idée. Nous aurons juste besoin d'un projecteur. Mets du ruban adhésif. Place la lumière. Et profite du spectacle. C'est exactement ce dont le mur a besoin. Va chercher de la peinture. Et montre-nous tes compétences en traçage. Une tétine? Ça me donne une idée. Ajoute une découpe et on pourra y insérer un snack Scooby. Ajoutons une décoration tant qu'on y est. Oh, maintenant elle nous donne un sourire. Suis-je le seul à avoir la tête qui tourne? Oh, c'est le jour de la lessive. Je suppose que ce jean ne pouvait être nettoyé qu'à sec. Au moins, on connaît quelqu'un à qui ça ira. Quelque chose me dit que ça arrive souvent le jour de la lessive. Enfin, maintenant elles font la paire. Vous savez, vous devriez vraiment y aller les uns après les autres. N'oublie pas que son audition pour une pub de croquettes est dans une heure. Alors, quand est-ce que les chiots vont naître? Oufissime! À la prochaine! Les gens moulent bien les empreintes de pieds de leur nouveau-né, alors pourquoi ne pas faire pareil pour nos bébés à quatre pattes? Et voici l'étape la plus amusante, celle où on détruit tout. Ce chat a l'air de vouloir garder sa totale indépendance. Donc, on va arranger ça. On transforme son t-shirt en poche kangourou. Et on l'emmène à la maison, qui sera désormais sa maison. Les chats font en général leur toilette eux-mêmes, mais là, visiblement, il y a du boulot. Au moins, notre peau est plus facile à nettoyer que ses poils. On dirait qu'un de nos gadgets est fait pour ça, la brosse à chat. Et une fois le brossage fini, enlever les poils est un jeu d'enfant, la preuve. Ils peuvent donc être facilement réutilisables pour faire du bricolage. Après tout, les poils de chat sont bien plus utiles comme cache-oreille que sur nos canapés. Tant qu'on y est, profitons-en pour nous occuper de ses griffes. Mais pourquoi se contenter de lui nettoyer ses griffes et c'est tout? Ces fausses griffes se clipsent parfaitement quand on pense à toutes les économies qu'on peut faire en vernis.
Waouh, du rouge à lèvres pour Griff. Moi, j'aurais plutôt appelé ça du rouge à pattes, tout simplement. Bonne idée, une masseuse. Si vous saviez comme c'est dur d'être un chat. Oui, il doit se sentir heureux et détendu. Maintenant, comment pourrait-on rendre cette table plus féline? Cette boîte en carton pourra peut-être nous aider. Après tout, les chats préfèrent déjà la boîte à tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et un peu de scotch de couleur ne peut pas faire de mal. Regarde-moi toutes ces couleurs. C'est comme un arc-en-ciel, en scotch. Grâce à ce bol en plastique, on va pouvoir fabriquer une fenêtre. Si seulement c'était plus facile de découper une fenêtre dans un bol. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre d'autre? Franchement, pas étonnant que les pelouses soient gratuites. Avec toutes les contraintes que les tondres impliquent, certains seraient même prêts à payer pour en avoir du synthétique. Oh, des vêtements gratuits qui traînent par terre, l'air de rien. Ah oui, un jean. C'est comme ta jupe, mais avec des jambes. On le rembourre avec quelques autres de ses habits. Et on fait un nœud avec les deux jambes de pantalon en le pliant comme un bretzel. Mission bientôt accomplie. Il ne manque plus que le toit. On ajoute quelques touches finales, comme ces post-it. On les dépose en suivant le modèle des tuiles. Qu'y a-t-il d'autre de joli et collant? Super idée, un sticker! On peut personnaliser le second foyer de notre boule de poils. Qu'est-ce qu'un chat pourrait vouloir de plus? Ces brosses feraient des auto-toiletteuses rigolotes? Quels sont les autres centres d'intérêt d'un chat? Des pinces à linge? Les chats aiment les pinces à linge? D'accord, je vois où elle veut en venir avec ça. Un mobile à poisson. Décorer une maison n'aura jamais fait autant nager quelqu'un dans le bonheur. Oh, et quel joli cadre, photo. Excuse-nous, on t'emprunte juste ça aussi. Waouh, ce tapis entre dans le cadre. Qui l'aurait cru? Et maintenant, on a un tout nouveau grattoir. Il y a beaucoup d'espace dans ce pot de fleurs. En y découpant une ouverture, on obtient une litière maison, intime et idéale. Oh, de l'eau! Les chats aussi ont besoin d'eau, pas vrai? On peut mettre une fontaine à eau pour chats en plus. Il ne manque plus que l'eau. On dirait que notre mobile à poisson prend une jolie forme et une bonne odeur. Y a-t-il quelque chose à ajouter à tout hasard? Ces perles seront du plus bel effet. Il n'y a qu'à les faire passer le long d'un fil. Ça fera un super bracelet de l'amitié. Là, en revanche, on enroule le fil qui reste et on le coupe. Comme ça, on finit par avoir un petit pompon. On peut faire des rideaux de perles de longueurs différentes. Maintenant, on découpe un trou dans ce tabouret. On y place une assiette pile au-dessus. Et grâce à ces moules en silicone, on peut la remplir avec les meilleures friandises sur mesure qui soient. Quand on pense à toutes ces saveurs diverses et variées, hmm.
Quand elle fait ce regard, c'est que ce plot lui donne des idées. On va devoir découper ces bouteilles plastiques et y mettre de la colle chaude. On en ajoute sur les bords pour les ramollir. Et on en met sur le plot. Et on le remplit avec encore plus de friandises pour chat. Évidemment, que serait un abri pour Matou sans pelote de laine? Mais là, on va s'en servir pour notre prochain tuto. Je me demande si elle est aussi douée à la belote qu'à la pelote. À mon avis, ce serait bien dans ses cordes. Oh, ces peluches seraient idéales pour remplir le filet qu'on vient de fabriquer. Un abri pour chat ne peut pas être complet s'il manque un chat, bien sûr. Voyons voir ce qu'il en pense. Est-ce qu'il va aimer ou est-ce qu'il va adorer? Un chapeau en cadeau? C'est la caverne d'Ali Chacha ici ou quoi? Il s'émerveille à chaque chose qu'il regarde. Regardez-moi ça, il va sur le pot tout seul comme un grand. En plus, ça s'appelle vraiment un pot. Après l'effort, le réconfort. Et le festin n'est pas fini. Qu'y a-t-il de mieux que d'avoir un chat? C'est d'être un chat, pardi. Miaounifique, ces articles. À la prochaine! C'est l'heure du dîner. Comment est-il entré ici? C'est beaucoup mieux. Allez, on s'y met. Il faudrait un peu de sauce. Quelle est cette odeur? Les chiens devraient réellement essayer d'adopter l'idée de la litière. Ce ramasse-crotte a l'air de faciliter les choses. Bon travail! Mais il faudrait sans doute désinfecter le canapé. Cela dit, il semble que nous ayons reçu cette pelle juste à temps. Combien de chiens as-tu déjà? Regarde toute cette pluie! Oh non, ce pauvre chiot! Nous devons le sauver. Dépêche-toi! Tout d'abord, un parapluie. C'était facile. Maintenant, sortons de cette pluie. Pour aller au parc? Bon, il faudra la faire, cette marche. Heureusement qu'il y a assez de place pour deux. Oh, c'est pour ça qu'il faut adapter l'espace à son chiot. Quoi qu'il en soit, tu as besoin d'un bain, voire même d'une douche. Il suffit de le brancher pour obtenir un pulvérisateur et un grattoir tout en un. Ce chiot sera propre en un rien de temps. Tous les chiens vont adorer ce son. Allons, une promenade? C'est une journée idéale pour faire la sieste. Si nous devons partir, ce chat te montrera comment faire. Essayons d'abord cette charmante cage de transport pour chat. Ça, c'est de la marche. Du genre où on ne marche pas vraiment. On aime toujours les belles balades à travers la campagne. Encore de la pluie? Le temps est vraiment bizarre par ici. Le côté positif, c'est que tu n'auras pas besoin d'une douche ce soir. Allons te sécher avant que les choses ne deviennent encore plus mouillées. On doit juste te mettre dans cette nouvelle tenue élégante. Ajoute un sèche-cheveux à sa queue et que le séchage commence. Tu peux maintenant te faire coiffer avec ton chien. Ça devrait être terminé maintenant. C'est bien sec. Waouh, un porte-sucette rétractable! Je me demande ce qu'en pense l'expert en rétraction. Le bonbon d'un homme est le grattoir facial d'un chat. Regarde toutes ces pattes sales! Commençons le nettoyage à la source.
Ce dispositif devrait t'aider. Il suffit d'ajouter du savon. Presse pour faire sortir de la mousse et lave ses pattes. N'oublie pas de sécher quand tu as terminé. Et nettoie le canapé. En parlant de pattes, il est temps de faire une manucure. C'est le moment d'utiliser ta tête. Sérieusement, enveloppe-la. Et couvre de nourriture humide pour animaux. Quelqu'un ne va pas se gêner pour la nettoyer. Bien, une distraction. Maintenant, fais ses ongles. Ne t'inquiète pas, ton chien ne se sentira pas trahi. Surtout quand il sait qu'il reste de la nourriture. Ce chaton est prêt pour un gros plan, monsieur Demille. Si seulement les chats pouvaient avoir des costumes amusants à porter. Qui a dit qu'ils ne pouvaient pas? Regarde cette petite casquette. Libère la bête en toi. Ou prépare-toi pour les vacances. Allez, souris. Après tout, tu portes des oreilles de souris. Les bacs à litière semblent plus propres, mais il faut quand même les nettoyer. Nous allons avoir besoin d'un outil pour ça. N'oublie pas ton sac. Il te sera utile. Il suffit de ramasser. Il faudrait sans doute interroger le vétérinaire à ce sujet. Peut-être que le chat cache ses légumes ici. Tu vois, je t'avais dit que ce sac serait utile. Heureusement aussi, cette litière ne restera pas propre très longtemps. Ça me rappelle que c'est l'heure de l'exercice. Préparons-nous. Prends la laisse, noue les lacets et partez. Il faut vraiment transpirer. Allez, on n'a rien sans rien. Fais une pause. Il est important de s'hydrater. Et ça vaut pour vous deux. Heureusement, nous avons des gamelles portables pour les chiens. Certes, les bols sont généralement portables, mais pas comme celui-ci. N'oublie pas les croquettes. Ton ami à fourrure les a bien méritées. Bien, il ne reste aucune miette. Tu peux l'emballer maintenant. On dirait bien que quelqu'un veut un muffin. Et il ne se laissera pas faire sans se battre. Si seulement on pouvait fabriquer un moule à muffin pour les chiots. Il suffit de remplir chaque trou avec des croquettes et un jouet. Ah, les balles de tennis. On ne peut jamais se tromper avec des balles de tennis. Certains préfèrent la partie supérieure de muffin. Mais ce chien a hâte d'arriver au fond. Maintenant, tu es libre de déguster ces muffins de réserve. Ah, où est l'interrupteur? Attention à ne pas trébucher. Ne t'en fais pas, ton chiot est là pour t'aider. Avec un nouveau collier qui brille. Tu peux personnaliser la taille. Et en ajouter autant que tu veux. Ton chien est maintenant prêt pour la prochaine rave. Éteins la lumière et pourquoi ne pas te joindre à la fête? Désolé, Tass, mais le chat dit que tu dois partir. En fait, pousser les objets sur la table a l'air amusant. Et ces pattes de chat te permettent de participer à l'expérience. Tant qu'on y est, jouons avec des jouets pour chat. Et cerise sur le gâteau, tu peux t'en servir pour jouer avec ton chat. Oui, c'est bien là. Oh non! Quel chat ne réagit pas quand on agite des friandises?
les toilettes, mais bien sûr, le meilleur siège de la maison. Les voilà réunis et ils se sentent étouffés apparemment. Ce cintre peut aider. Coupons-le. On devra le plier un peu. Ajoute un peu de ruban adhésif pour fixer ces arcs en place. Place sur un support en carton. Il n'y a plus qu'à percer. Couvre-le pour qu'il devienne une petite tente. Ton chat ne voudra plus jamais partir. Et regarde qui est prêt à jouer à Attrape le doigt. On dirait que tu es sur le point d'être mouillé. Ou plutôt sale. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger? Il faudrait faire quelque chose pour les dents de ce chien. Heureusement, nous avons une brosse à dents spéciale pour les chiens. On dirait que ton chat n'est pas le seul à avoir des boules de poils. Si tu as vraiment besoin de lécher ton chat, ceci devrait t'aider. Ton chat profite d'un bon brossage et sans salive. Le nettoyage est un jeu d'enfant. Pourquoi ne pas faire ta toilette tant que tu y es? Pas facile de se lever quand on doit faire office de chaise. Mais on ne peut pas ignorer sa propre mère. Dans ce cas, prends un oreiller et enlève le rembourrage. Remplis un vieux jean que tu ne mets plus. Garde les jambes croisées. Et maintenant, il est temps de faire le grand saut. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas créer une fausse personne? Maintenant, appelle ta mère. Sensationnel! À la prochaine! C'est encore toi qui dois sortir les poubelles, tout comme la semaine dernière. Oh oh, les ratons laveurs sont de retour! Mais c'est pas un raton laveur! C'est un petit chiot tout mignon! Et regarde, pas de collier! Heureusement que tu as ce sac pour animaux sur toi! Les aquariums ne sont plus faits pour les poissons. Il n'y a pas beaucoup de place pour les pattes, si? Avec un sac à dos pareil, on dirait qu'il est en route pour la lune. Il est à peine sorti du sac et il a déjà les pattes pleines de boue. Oh, c'est vrai, tu l'as trouvé dans la poubelle. Eh bien, un bon bain devrait tout arranger. Mais les chiens ne se nettoient pas tout seuls avec la lampe? Ah non, ça c'est les chats. Trop chou, une brosse à chien. Il y a même un petit compartiment pour mettre le savon. Crotti, frotta. Je crois que c'est ça le genre de bain qu'un chien préfère. Un bain sans la moindre goutte d'eau. Mais ça marche. Et c'est pas si mal. Sinon, il se serait secoué en éclaboussant partout et on n'aurait pas eu ce petit moment de tendresse. Waouh, il doit avoir le poil qui brille comme un diamant sur ce canapé. Et voilà qu'il a sa propre garde-robe en plus. Un peu grand, mais peut-être qu'il grossira plus tard. Oh, waouh, regardez-moi ses griffes. Une manucure canine, et que ça saute. Ok, j'ai déjà vu des ongles verts, mais c'était juste du vernis. Pourquoi s'arrêter aux griffes? On va s'occuper des poils aussi. Bien sûr, le plus important dans une routine beauté, canine ou pas, c'est d'être toujours propre. Et que ça mousse, moussaillon. Cela dit, une journée bien-être ne sera jamais parfaite à 100% sans un masque de visage, n'importe lequel. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour cette petite journée cocooning? Bonne idée, un brossage. Avec une fausse langue? Je repose la question, est-ce que se laver avec la langue est un truc de chien, de chat ou d'humain? Au moins, ça a l'air facile à nettoyer. Ah, on passe au massage. Et regardez, on a aussi un gadget pour ça. D'abord, un bon massage de cou et on descend doucement le long du dos.
Je me demande si ça marche sur les humains. Eh bien, je crois que oui, après tout. À condition de demander avant de l'utiliser, certainement. C'est l'heure du dîner. Ça tombe bien, ça doit faire une heure entière que je n'ai pas mangé. Une bonne salade. Et pour Toutou? Juste des croquettes. Et lui-même n'a pas l'air de s'en lécher les babines. Peut-être que ce n'est qu'une question de présentation. On va découper le patron. C'est comme du coloriage. Et on veut qu'il y ait des rebords. Donc on met du scotch. Voilà, tout prend joliment forme. Mais bon, il ne s'agirait pas de se retrouver avec quelque chose qui ressemble à du carton. De la peinture dorée masque n'importe quelle imperfection. Et c'est pareil pour cet assortiment de faux bijoux. Par contre, n'écrivez pas faux à l'écran, merci. Et tout ça rien que pour y mettre la gamelle de monsieur. Tiens d'ailleurs, après le contenant, on pourrait aussi présenter mieux le contenu, non? Super! Bon chien, regarde comme il se régale. Il n'en reste même pas une miette. Je crois que ce qu'on dit est vrai. On récolte ce qu'on sème. Je me demande bien si ce chien connaît le mythe de la poule aux œufs d'or. Ils sont peut-être de la même famille, qu'en penses-tu? Ça, ça va dans le tiroir. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait un collier. C'est tout à fait ce dont notre compère à quatre pattes a besoin. Mais il faudrait un petit plus. C'est cool de mettre des paillettes dans sa vie, c'est sûr, mais on veut un collier personnalisé, et rien de tel qu'une photo de son maître pour ça. Pour l'instant, tout roule, littéralement. Il va être canon avec son nouveau collier. Et ça, c'est le prétexte idéal pour faire un selfie. Fais-nous un beau sourire. Montre-nous les dents, mais pas dans le sens que l'on croit. Quelqu'un a d'autres idées photos? On va fabriquer un cadre photo sympa. Alors choisissons un thème. Ah oui, ce qui fait le bonheur de tous, l'argent. Mais on garde nos vraies pièces au chaud, bien sûr. Quoique visiblement, son maître pourrait certainement se le permettre. Oh, il va être tellement beau sur son portrait. Il nage dans le fric, exactement comme Picsou. Après avoir été bien chouchouté, notre toutou peut enfin se détendre un peu. Au lieu de lui prendre la balle comme ça, tu ferais mieux de lui lancer et lui demander de te la rapporter. Oh, waouh! Un os en or! En plaqué or, j'espère. Sinon, il pourrait se casser une dent. Visiblement, il a assez joué pour aujourd'hui. C'est l'heure de se préparer à aller au lit. À moins que ce ne soit l'heure d'un nouveau bricolage. Avec ce moule, on peut créer plein de petits objets de taille et de couleurs différentes. En les rassemblant, on peut fabriquer un joli mobile. Comme ceux au-dessus des lits de bébé. Waouh, je pensais qu'il faudrait lui lire une histoire ou deux pour l'endormir. Allez, on coupe et on passe au tournage en plein jour. C'est le moment de se dégoter une tenue sympa. Et pas de panique, ce n'est pas parce que les chiens ne portent pas de vêtements d'habitude qu'ils ne peuvent pas avoir d'accessoires. Oh, c'est adorable. Il n'a pas tellement l'air d'être un chien à chapeau. Qu'est-ce qu'il pourrait aimer d'autre? Des sweets, peut-être? Bon, les boutons de couleur ont parlé pour lui. Oh, mais il a clairement l'air d'aimer le rouge. Et il a l'air d'accord, on dirait. Avec des chaînes et des lunettes de soleil, il ferait aboyer Snoop Dogg de jalousie. Alors, quelles autres tenues notre toutou aimerait-il essayer? Un smoking blanc? Est-ce qu'il a la tête de James Bond, à votre avis? Peut-être qu'une autre couleur ferait l'affaire. Oh, il a l'air de préférer les costumes noirs plus classiques. Et il va de soi que ça lui va comme un gant. Oh, il est juste trop mignon. Et regardez-moi ses grands yeux. C'est parti pour une nouvelle journée à s'amuser avec ton compagnon à quatre pattes. Quoi de mieux qu'un gentil toutou? Facile, deux gentils toutous.
Et celui-là est tellement gros qu'on n'a qu'une envie, c'est de le câliner comme une peluche. Et bientôt, il va y avoir toute une portée de petits toutous. En attendant, notre jeune marié voudrait quelques croquettes. Et peut-être un steak ou deux. Waouh, c'était d'enfer! Pardon, waouh, c'était d'enfer. Bon, j'avoue, je suis parti un peu loin là. Allez, à la prochaine! Pour avoir des chats instantanément, il suffit d'y ajouter de l'eau. Et après, on dit que les chats n'aiment pas l'eau. Il n'y a plus qu'à les cacher. Ni vu, ni connu. Arrivé à bon port. Oh, gouzi gouzi. Je sens que ça va être une super journée. J'ai parlé un peu trop vite. Ce lit mériterait une mise à neuf, en tout cas. On enlève les lattes. On ajoute un panneau de bois sur le côté. Oh, personne n'a la tête qui tourne. Une couche de peinture fraîche et tout est arrangé. Il y a trois murs. Voyons ce qu'on peut faire à l'extérieur. Un pochoir à motifs. Commençons à le recouvrir de peinture. Qui a dit qu'on avait besoin d'un pinceau? En plus, c'est beaucoup plus rapide. On enlève le pochoir. Après réflexion, un pinceau peut servir à ajouter les petits détails. Regarde, une tête de chat. Au cas où tu n'aurais pas deviné à qui ça s'adressait. Ce trou a l'air rêche. Mais pas comme les chats l'aiment. Cette chatière l'aidera à rentrer facilement à la maison. Et, grâce à ses brosses à dents, les chats auront tous les jouets à griffer qu'ils veulent. On va faire une visite rapide, d'accord? Ce tapis en gazon synthétique va plaire au côté chat sauvage de ton compagnon à quatre pattes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Une vieille boîte à pizza? En les recouvrant de scotch, on peut fabriquer un petit escalier qui mène directement aux toilettes privées de vos chats. J'ai nommé leur nouvelle litière améliorée. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait plaire aussi à nos matous? Prends une cordelette et enroule-la autour d'un pilier. Attache-la pour que ça tienne et que ça ait de l'allure. Et ton chat aura un nouvel objet contre lequel se faire les griffes. Quoi d'autre? Peut-être qu'ils aimeront ce pigeon en plastique. Oh, encore mieux! Prends un tiroir de bureau, mets-y des oreillers, des coussins, quelques jouets et ton chat a un tout nouveau panier où dormir. Voilà ce qu'on peut accrocher au mur. Tes chats pourront maintenant avoir leur propre télé à eux tout seuls. Ah, il commence à faire chaud ici. Du coup, peut-être que les chats auront soif. Alors, on peut leur offrir leur propre fontaine. Après tout, on a facilement chaud quand on ne peut pas enlever son manteau de fourrure. Il est toujours judicieux de tester les choses soi-même avant ses chats. Maintenant qu'ils ont de l'eau, ils voudront peut-être aussi quelque chose à grignoter. Et on fait un décor naturel avec de l'herbe à chat. Et il reste plein de place pour un bol rempli de croquettes. Mais laissons toujours de la pâtée au frigo au cas où. Tout est super bien aménagé. On peut y mettre encore quelques jouets. Bon, il ne tombera pas plus bas. De toute façon, je ne sais pas ce qu'il y a au fond. Oh, des bonbons! Oh, ce bol pourra recouvrir le trou. C'est l'endroit idéal où mettre quelques jouets pour chats. Et si les chats ont un petit creux en jouant, ce gadget est le jouet parfait. Il te suffit d'y mettre de la nourriture. Comme ça, ils auront droit à leur portion lorsqu'ils le feront tourner sur lui-même. Ça les occupera toujours. Hé, je peux t'emprunter cet oreiller? Maintenant, prends une paire de collants et découpe-les. Il faut les placer en forme de X avec quelque chose au milieu. Ramène chacune des deux extrémités et attache-les.
c'est à la fois un lit et une balançoire. Essayons-la maintenant. Tu as vu? Ces sonnettes peuvent leur permettre de faire passer un message. Ils peuvent nous prévenir lorsqu'ils ont soif, faim ou même quand ils ont envie de jouer. C'est un peu trop petit pour leur servir de cage d'escalier. Mais on peut quand même utiliser le socle. Fixe-le au mur et tu auras de vrais escaliers en fin de compte. Salut, tu ne te sers pas de cet énorme seau aussi? Merci! Maintenant qu'on l'a nettoyé, on va y découper une ouverture. Que nous faut-il d'autre? Encore des jouets, pourquoi pas? Les chats n'ont jamais assez de joujou. Et on peut les utiliser pour fabriquer autre chose. On les colle avec de la glue chaude au tapis de tout à l'heure. Tu te souviens, le terrier de lapin? Pose-les dans le fond de notre seau pour en faire un coussin tout doux. Maintenant, on dégaine les outils électriques. On va y percer quelques trous. Une fois qu'on en a fait quelques-uns, on y fait passer un fil. On dirait un motif à damier. Les chachas vont être tellement heureux. D'ailleurs, où sont-ils? Tu ne dois pas te cacher bien loin, toi. Oh, ça me donne une idée. On y met de la colle chaude en appuyant bien dessus et c'est aussi joli qu'un cadre photo. Idéal pour les trousseaux de clés ou les médaillons personnalisés. Ce jouet pour chat est interactif. On va l'ajouter à notre collection. Les chats ont bon goût, y a pas de doute. Ça a l'air sympa, ça. De la nourriture pour chat? Peut-être qu'on devrait laisser quelques trucs comme atout. Oh, c'est un jouet, tout simplement. Et on a l'endroit idéal pour le mettre. Il faut reconnaître que c'est un peu petit. Il faut qu'on voit plus grand. Prenons un grand vase en verre rempli d'eau. Déverse-y des pierres et des billes. Ajoute-y une plante. Et la touche finale, ces mignons petits poissons. Anne, ma sœur Anne, tu ne vois rien venir. Enfin, elle s'appelle pas Anne et c'est pas ma sœur. Une bouteille pleine. On va la remplir et la découper. Tenez le cul de la bouteille et collez-y une sorte de ficelle au milieu. Maintenant, on utilise la ficelle pour réunir les morceaux. Ajoute-y un petit pompon et remplis le tout de croquettes. Ensuite, accroche-le quelque part. Encore des friandises? Il y en a qui vont être contents, je le sens bien. Cool! Un laser à attraper pour nos chats. On va le tester. Soit c'est le laser qui fait ça, soit un soin de la peau lui ferait du bien. C'est dur à attraper? C'est pile ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce que tu as sur la tête? On dirait un hand spinner. On va le fixer au mur. Ajoutez des autocollants au mur. Ça embellit toujours une pièce, pas vrai? Ces photos permettront de donner à leur maison un côté plus chaleureux. Encore quelques jouets. On peut dire avec certitude que les chats savent profiter de la vie. On pourrait peut-être rendre cette nappe plus utile. Comment? En les transformant en rideaux pour notre toute nouvelle tringle féline. Ouais, c'est l'endroit où tous les chats branchés se retrouvent pour jouer. C'est un super endroit pour faire une sieste. Parfait quand on veut faire la grasse mat toute la journée. Mais regardez-moi toutes les choses marrantes à faire ici. On peut manger de l'herbe, marcher sur un sol d'animaux en peluche ou tout simplement se détendre. Il y en a d'autres qui ont l'air de vouloir jouer aussi. Ou peut-être qu'il ne fait que s'étirer. Vous allez adorer tous les aménagements.
et il y a encore bien davantage de coins à explorer. Qui a besoin d'un escalier lorsqu'on a un pilier géant pour se faire les griffes et grimper dessus? On décompresse, on regarde un peu la télé, on boit un peu. Oh non, il a trouvé les chats. Enfin, quel chat? Oh, c'est coup de foudre. Bon, je crois qu'on vient de découvrir la mystérieuse ville en carton. Ça va, Minou? Comment ça va? C'est Matou, on le sens de la fête, y a pas de doute. Il faut bien se détendre après une grosse journée de sieste. La vache, je me demande comment ils ont mis ces posters à l'intérieur. Oh, regarde, c'est une paire de bottines pour chien et... des ballons? Cool, les deux ont l'air parfaitement assortis. La tenue idéale pour une promenade hivernale. Ça protège ses petites papates et ça les rend craquants en même temps. Essayons l'autre. On découpe le bout du ballon et on enfile le reste sur ses pattes. Et regarde, après une balade, les chaussures ballon restent tout aussi solides que les bottines. Waouh, un donut et une louche. Je me demande à quoi ils servent. Attends, c'est pas un vrai... Si tu peux pas le manger, fais-lui porter. Et ça évitera ton toutou de se perdre. Et l'autre objet alors? Évidemment, une belle grosse louche peut tout aussi bien faire l'affaire. Et le mieux dans tout ça, c'est que ton chien pourra aussi t'aider à servir la soupe. On dirait qu'il y a encore plus d'articles que ton animal de compagnie peut porter. Mais cette fois, c'est au tour des chats. Pour faire en sorte que Monsieur Gros Minou soit sain et sauf, les fermetures éclair, c'est du tonnerre. Maintenant, ton chat peut dévorer ses livres préférés, vu que tu les tiens pour lui. Notre plan B va être porter ce t-shirt comme s'il s'agissait d'une poche. C'est parti! Maintenant, ton matou a un endroit agréable où se reposer pendant que tu le prépares ses petits encas. Deux brosses différentes pour ton chat, parce que les chats aussi le valent bien. Ces brosses attrapent et enlèvent même tous les poils en trop. Quelle jolie perruque! Or, on va ajouter notre touche perso sur cette brosse. Cool! On dirait bien que tu as fabriqué toi-même un petit griffoir maison. Tu vas adorer que ton chat se fasse sa propre coiffure. Mais quid de tous ses poils? Un tapis de léchage? Oh, j'ai l'impression que pour l'accrocher, c'est un jeu d'enfant. Waouh, ça doit aussi rendre l'heure du bain beaucoup moins éprouvante que d'habitude. Le film plastique peut peut-être aussi faire l'affaire, même si tu l'enroules autour de ta tête. Après, si ça peut empêcher les extraterrestres de lire dans tes pensées... Bon chien! Ce toutou reste sage pendant son bain et sa séance de manucure. C'est une journée de spa de A à Z. Un collier qui fait de la lumière? C'est devenu un vrai indispensable de la mode. Ces parties de laser game canin vont être plus amusantes avec ce collier. Et bien sûr, il te sera plus simple de le retrouver dans le noir.
Encore une fois, on peut toujours en fabriquer un avec des bâtons fluorescents. Tu peux en ajouter encore et encore. Fais juste attention qu'il soit assez grand. Et espérons qu'ils tiendront un moment. Et rien qu'avec ça, il est équipé pour une soirée de folie. Ah, nos petits compagnons ont passé une journée à se faire bichonner. Alors continuons. C'est comme si ton chat disposait d'un tas de petites mains. Aux petits doigts, entièrement à ton service. Une brosse à dents te permettra d'économiser de la batterie. Mais le plus important, c'est que ton chat soit heureux. Bonne idée. Pour un chat, une journée à ne rien faire est une journée de perdu. Il a besoin d'avoir ses moments de jeu. Quelle mignonne petite souris! Et c'est cool car elles existent en toute une palette de couleurs. On aimerait presque que jouer avec des vraies souris soit aussi rigolo. Mais comme chacun sait, le jouet préféré du chat, c'est le carton où il est venu au monde. Surtout quand vous vous mettez tous les deux à jouer avec. Oh. Cool! Voilà que nos amis à quatre pattes se joignent aux réjouissances. Et des mets succulents sont de la partie. Allez, mon chien, fais marcher ta truffe et trouve-nous ces petits trésors. Ça a l'air amusant, mais la question est, peut-on faire ce jeu avec une serviette de bain? On dépose les croquettes sur une serviette, puis on enroule cette dernière, en mode sushi. Ça a l'air de fonctionner tout aussi bien, mais ne va pas jeter ce joujou dans le panier à linge. Bien sûr, après s'être amusé, ton chien a besoin d'un truc pour faire un brin de toilette. Normalement, on ne devrait pas noyer les fleurs en les arrosant. Ce n'est pas sympa. Mais ça, ça a l'air bien plus sympa. On s'est fait une fontaine nous-mêmes. Cool! Et tu n'en croiras pas tes yeux, mais il aime ça. Mais est-ce qu'une bouteille d'eau peut suffire à étancher la soif de ton chien pendant un moment? C'est ce qu'on va tester. Tant que le mur la retient, dans tous les cas, ton toutou boira un bon petit coup. Chat alors, ces articles ont du chien. Et merci à nos boules de poils de nous avoir filé un coup de patte pour cette vidéo. À la prochaine! Quel adorable petit chiot! Et il se gonfle tellement vite, pas vrai? Quoi qu'il en soit, un peu de fourrure ne lui ferait pas de mal. Maintenant, c'est un vrai chien. Merci, Fée Bleue. Et elle a une surprise! D'autres chiots sont en route. Heureusement qu'elle a fait une école vétérinaire. Car c'est l'heure de l'échographie. Oh, regarde, elle attend des triplés. Ça veut dire que tu vas manger pour 4 maintenant. Eh bien, c'est la preuve que j'ai raison.
Heureusement qu'on a notre ramasse-crotte super pratique. Regarde-moi ce visage. Il est si heureux d'aider. Oh, moi très rassasié. Mais moi toujours pouvoir manger plus. Les propriétaires de chiots doivent eux aussi garder leur force. Et si elle peut aussi recevoir une friandise, elle ne se plaindra pas. Par contre, tu deviens un peu sale. Ne t'inquiète pas, ce hula hoop va t'aider. Bien sûr, il faut un peu d'eau, c'est une question de bon sens. On va te sécher. Juste à temps pour un petit changement de costume. Parfois, on a juste besoin d'une petite pause danse improvisée. Cela dit, on aurait pu se passer de tous ces poils. Ce durian devrait t'aider. Coupe-le en deux. Applique de la colle chaude. Et colle-le au mur. Maintenant, tu as un grattoir de fortune. Ça gardera tous ces poils au même endroit. Bien sûr, on veut que les chiots aient un peu de fourrure. Oh non, tu ne l'as même pas trop arrosé. C'est simple, cette petite a besoin d'un jardin secret rien qu'à elle. Ajoutons des friandises qu'elle appréciera. On devrait peut-être s'assurer qu'ils entrent dans le trou. Allez ma puce, il est temps de chercher ce trésor enfoui. Tu devrais peut-être essayer de la tailler. Oh oh, quelqu'un a marché sur de la peinture. Ces empreintes de pattes sont quand même très jolies. Découpe-les et fais-les rétrécir au four. C'est ça, avoir la taille d'un chiot. Ils serviront de fleurons à ton collier. Oh, les moutons sont de visite. Une seconde. Non, quelqu'un fait ses dents. Ne t'inquiète pas, on te donnera quelque chose à mâcher. Rembourre des collants. Et je parle au pluriel. Agrafe-les ensuite ensemble. Voilà qui devrait nous donner un coup de main. Tu sais, il y a toujours du temps pour une manucure. Et maintenant, tu as le meilleur siège de la maison. Un hot dog, c'est une bien grosse saucisse, tu sais. Il n'y a pas que le pain qui peut servir de bol à soupe. Et puis elle préfère qu'on s'en ramène contient plus de viande. Il y en a pour tous les goûts. Ok, on devrait vraiment commencer à nettoyer ce coin plus souvent. Ou au moins mieux suivre nos balles de tennis. Avec un petit coup d'aiguille, on peut les maintenir sur une corde. En fait, ça marche avec beaucoup de choses. Accroche-les, c'est comme une fête dans un cube. Bien sûr, toutes les bonnes fêtes ont besoin de casse-croûte. Et maintenant, place à l'inauguration. On dirait une salle de jeu pour chiots. Le plat de résistance, la balle de tennis. Elle va bien dormir cette nuit. Petite fofolle, c'est pour boire, en quelque sorte. Heureusement qu'il existe une version mini. Appuie sur le bouton et remplis-le. Bois un coup et quand tu auras fini, ça te dirait un petit PQ ? Oh, une pastèque! Coupons-la!
façon de procéder. Cela dit, on devra quand même la couper en plusieurs tranches. C'est le moment d'en extraire les bonnes choses. Mais d'abord, nous aurons besoin de l'écorce. En ajoutant des yeux et des oreilles, on a un chiot. Quant à la chair, sortons l'emporte-pièce. On va créer des formes amusantes. Avec tous ces animaux, on a notre propre zoo. Maintenant, un pour moi, un pour toi. C'est l'heure du selfie. Bon, ça n'ira pas sur le frigo. Ne t'inquiète pas, tu auras juste besoin d'un carton facile à manipuler. Il est temps de mettre ces cours d'art plastique au travail. Tout ce vert ne peut signifier qu'une chose. C'est un dinosaure. Enfin, presque. Il lui manque une tête. On a ce qu'il faut. Parfait. Tu peux incarner tout ce que tu veux. La seule limite, c'est ton imagination. Les chiots ont parfois besoin d'aide pour communiquer. Pour ça, il suffit de quelques boutons. Désormais, ton chien peut exprimer ses besoins. Que ce soit pour jouer ou pour boire ou même pour un peu de chouchoutage. Après tout, ce n'est pas facile d'être aussi mignon tout le temps. L'heure du massage a sonné. Ou, comme elle l'appelle, une gratouille sur le ventre. Je suppose que ta photo a besoin d'un nouveau cadre. Ou encore mieux, prenons un porte-document. Tu peux enfin ajouter un contour à vos photos. Comme si vous étiez dans votre propre dessin animé. C'est une idée. Nous aurons juste besoin d'un projecteur. Mets du ruban adhésif. Place la lumière. Et profite du spectacle. C'est exactement ce dont le mur a besoin. Va chercher de la peinture. Et montre-nous tes compétences en traçage. Une tétine? Ça me donne une idée. Ajoute une découpe et on pourra y insérer un snack Scooby. Ajoutons une décoration tant qu'on y est. Oh, maintenant elle nous donne un sourire. Suis-je le seul à avoir la tête qui tourne? Oh, c'est le jour de la lessive. Je suppose que ce jean ne pouvait être nettoyé qu'à sec. Au moins, on connaît quelqu'un à qui ça ira. Quelque chose me dit que ça arrive souvent le jour de la lessive. Enfin, maintenant elles font la paire. Vous savez, vous devriez vraiment y aller les uns après les autres. N'oublie pas que son audition pour une pub de croquettes est dans une heure. Alors, quand est-ce que les chiots vont naître? Oufissime! À la prochaine!